Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on va réagir à la Cocteau Cup. Ça fait même pas 24 heures que la map est sortie. Il y a déjà plein de vidéos, il y a déjà plein de vidéos, donc merci à tous ceux qui participent. Ça fait juste extrêmement plaisir. Et si on peut mettre en avant des petits youtubeurs, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs les potes, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. Rod tous 50 000 abonnés, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, donc je compte sur vous pour t'abonner. Et puis à lâcher un maximum de pouces bleus les gars. En vrai, objectif, allez un petit objectif, 3 000 pouces bleus. 3 000 pouces bleus et je vais pas vous en demander plus. Nous on va directement lancer la map avec Skymania du coup qui nous fait un world record manette de 6 minutes 51. Donc on va voir si c'est valide. Donc on va voir un joueur manette, un joueur clavier souris et un joueur mobile. Donc là on va voir un petit peu les world records. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que je devrais mettre du cash prize pour les joueurs mobiles et Switch. Voilà, tout simplement parce que j'en ai pas mis, parce que j'y avais pas pensé. Voilà. Donc est-ce que vous pensez que je devrais mettre du cash prize pour eux ou pas, voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi je lance directement, c'est parti. Hop là. Alors. Donc il joue manette. Ok. Ah ouais, déjà il est. Déjà ça se voit, il est giga fluide. Attends, on va baisser un petit peu le son. Cette épreuve là, elle est pas facile, surtout à la fin. Elle est assez difficile. Parce qu'en fait, il faut avoir les bons timings. Voilà, nickel. Là en 6, c'est compliqué sur manette. Hein. J'avais testé manette un petit peu la map, très très compliqué. Alors si je dis pas de conneries, il est Xbox ou pas? Xbox ou pas? Non, ça c'est PS4 ça. Ok, on s'est très bien réussi. On m'a dit qu'ils étaient un petit peu longues. J'avoue que c'était peut-être un poil long. Ok, donc il gère bien les vrais. Ça c'est vraiment... Voilà, vous voyez les petits sauts à la fin, c'est super important. Ça permet de faire gagner un tout petit peu de temps. Tout petit peu de temps, nickel. Les petites reddits, simple, basique. Et en fait c'est assez simple cette map parce que quand t'es l'eau au-dessus de toi, enfin t'as un sol au-dessus de toi, tu vas plutôt doucement, donc c'est tranquille. Donc là faut réédit, oh là 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 là. En gros là faut réédit, genre par exemple tu mets ton escalier, tu dois réédit le mur, juste le mur, pas l'escalier. Voilà. En vrai ça change pas grand chose mais faut quand même le faire tu vois. Donc ça normalement c'est un boost qui te permet d'aller jusqu'au bout, si t'as le bon timing. Donc ça devrait être nickel là, tac. Voilà, ça va juste... En fait, le problème, c'est qu'on pouvait pas régler le boost, par exemple, à 12 secondes. C'était soit 10 secondes, soit 20 secondes. Sauf que 20 secondes, bah, t'avais encore le boost ici et c'était pas ouf, quoi. Donc là, nickel. Il est chaud, en vrai, hein. Oh là là. Mec, ça a l'air tellement facile. Donc là, pour ceux qui savent pas, il y en a plein qui ont pas trop compris cette épreuve. C'est qu'en gros, il y a plein de gens qui me stream hack. Parce que vu que je suis en live tous les jours sur Twitch, d'ailleurs... La chaîne Twitch est en description, n'hésitez pas à me follow. Quand les mecs me stream hack, en gros, ils font ces dessins-là, quoi. Donc là, ça, c'est vraiment très basique. Ça, c'est simple. C'est une map edit assez simple. Hein. J'aime pas faire des maps edit trop compliquées, parce que c'est pas le but d'une map edit. Enfin, c'est une map edit fun, entre guillemets, tu vois. Ok, donc là... Ok, voilà, c'est un petit peu fail. En vrai, je sais pas si c'est la meilleure strat, ça. Ça, c'est vraiment dur. Ça, honnêtement, s'il arrive one shot, j'y arrive pas, moi. Ah, sur les diagonales. Putain, j'ai le gelo qui est what the fuck. Sur les diagonales, peut-être ça passe mieux, mais c'est très compliqué. Hein. Pour moi, c'est l'épreuve la plus dure de la map, clairement. Ok. Voilà, aise, hein. Ça double edit en balle. Est-ce qu'il va arriver à passer one shot? Il passe pas one shot, il perd un peu. En vrai, il a perdu pas mal de temps. Hein. Donc là, c'est des extents basiques. Faut bien mettre le sol, etc. Ok, nice. Ah, il a... Si ça va, il a mis le sol. Normalement, si t'extends vraiment bien, t'as encore un peu de boost pour la suite. Normalement. Ok. En vrai, il y a encore, il y a 2-3 trucs où il a pas fait correctement. Enfin, il y a un truc surtout pour edit. Il s'est fait, il a 2-3 endroits. Il a fait un truc pas correctement. Donc en vrai, voilà. Et du coup, à la fin de l'épreuve, en vrai, c'était plus pour le fun. Voilà, c'était juste plus pour le fun. Je regrette de pas avoir mis des petits zigzags. En vrai, ça aurait pu être bien, tu vois. Mais voilà, 6,51. Et ben, c'est quasiment validé. Et GG à toi, hein. C'est qui du coup? C'est Skymania. Bah, n'hésitez pas à lui faire passer les 10 000 abonnés. Il a 9 924. Donc, n'hésitez pas à aller checker, les potes. Et en vrai, quasiment 200 pouces bleus. Donc, nice. Du coup, les gars, le world record clavier souris, c'est le nain qui l'a. 4 300 abonnés. 6,59. C'est parti, let's go. Du coup, j'ai mute parce que je crois qu'il a mis une musique copyright, il me semble. Je sais pas si c'est musique copyright. Ouais, je sais pas, on sait jamais de toute façon. On entend juste son clavier, on n'entend même pas les edits. D'ailleurs, si jamais vous faites une vidéo réaction, déjà pensez bien à mettre le hashtag CocteauCup.
Cocteau, COQTEAU Cup, parce que bah, c'est de l'eau par rapport à l'eau. Et surtout, pensez bien à pas mettre de musique de fond ou des musiques de fond copyright, mais pas trop fortes, quoi. Des pas trop forts en son, parce que bah, sinon, c'est un peu nul, tu vois. C'est, on va pas se mentir. J'aime bien entendre les edits, etc. Là, on n'entend rien, on entend que la musique, tu vois. Tu vois, on n'entend même pas ce qui se fait. Du coup, c'est un petit peu dommage, mais ça nous empêchera pas de voir un petit peu ces edits, etc., etc. Donc voilà. Donc en vrai, il a l'air plutôt chaud, hein. Et là, il joue bien avec les regardez, il joue bien avec les timings de l'eau. Hop là, il fait la petite galipette à chaque fois. Il va la refaire sûrement là. Enfin, hop là, ça gagne vraiment quelques secondes super importantes, ça. Ok, les réédits, tranquille. Là, il gagne. Ouais, en vrai, là, il gagne quand même du temps. Il pourrait même le refaire une autre fois, hein. Donc là, il faut qu'il réédite. Ouais, il l'a pas fait. Il faut juste qu'il réédite le sol, le mur. Le sol. Il faut juste qu'il réédite le mur et ce serait nickel. Voilà. Donc, mais ça, je pense qu'ils le feront la prochaine fois. Ça fait même pas un jour que la map est sortie. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux, donc merci à vous. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que je devrais mettre du cash prize pour les mobiles et les Switch, tout simplement. J'en avais pas mis parce que je les avais totalement oubliés. Je vous avoue que bah, je savais même pas qu'il y en a qui faisaient des map edits sur Switch. Tu vois, j'étais en mode, non, je pensais pas. Je pensais même pas. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Et en vrai, si les commentaires sont positifs, je pense que je mettrai un petit peu de cash prize pour les mobiles et les Switch. Mais si vous voulez soutenir, un petit commentaire, un petit like. Comme ça, au moins, la vidéo fait plus de vues et je pourrais financer tout ça. Et si vous voulez, vous pouvez mettre le code créateur Cocteau. D'ailleurs, aux 10 000 soutiens, je suis en train de préparer la Cocteau Cup 2 Open. Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous pourrez participer à cette cup et tenter de vous faire connaître parce que, je peux vous mentir, vous avez vu la Cocteau Cup numéro 1, il y avait des gros noms. Donc, vous aurez peut-être la chance de vous mesurer à ces gros noms et peut-être, peut-être de vous faire connaître ou je ne sais quoi. Parce que peut-être que sur YouTube, on fait que 10 000 vues, mais sur Twitch... Sur Twitch, c'est pas la même. Hein. D'ailleurs, je suis en live tous les jours sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir. Mais là, on parle, mais on réagit même pas au gameplay. Là, il fait des. En vrai, il gère de ouf. Ah, il gère. Bon. Le moment où je dis ça, il fait son edit. Non, alors, bon. Mais par contre, mais attends, mais il rattrape où son temps? En vrai, je pense qu'il le rattrape là, son temps. Oh ouais. Quoi? C'est pas en accéléré là? Ouais, en vrai, il maîtrise de ouf là. Et les montées, c'est limite son point fort lui. Hein. What the fuck? Ok, nice. Là, les petites extensions. Je crois que t'es pas obligé de mettre le chapeau. Hein. Vous êtes pas obligé de mettre le chapeau. Par contre, sur OBS, j'ai l'impression que c'est un peu saccadé. Hein. Ok, nickel. Très, très bien. Hop là. En vrai, là, ça, c'est du basique. Hein. Ça, c'est... Dans toutes les maps edits, t'as ce genre d'épreuve. Juste là, c'est sous l'eau. Donc forcément, ça change un petit peu. Et cette épreuve-là, les gars, je vous invite vraiment à tester la map. Le code, vous voyez juste au-dessus ou dans la description. Et tester cette épreuve. Juste, elle est incroyable. Juste, faut la tester. Et du coup, il fait 6,59. Donc en vrai, bah, GG à lui. GG à toi, mais avec 6,59. Je pense clairement que le 7 est largement possible. Et je pense qu'il y a une grosse marge d'amélioration. En tout cas, je sais pas quand est-ce qu'il a sorti la vidéo, mais ça a été très rapide. Hein. Ouais, il y a 3 heures, donc en vrai, il a dû sortir la vidéo très très rapidement. Donc je pense qu'il pourra faire beaucoup mieux. Et on va réagir à un joueur mobile. Alors... Tac, nickel. Donc j'ai enlevé la musique de fond parce que bah, c'était copyright, hein, les gars. Mais ce qui est cool, c'est que bah, c'est Tizef. Il a 500 abonnés, 20 pouces bleus, 80 vues et il a une handcam. Donc c'est parti, peut-être découvrir une pépite francophone sur mobile. Parce que les mobiles, ils sont dans un autre... Ils sont dans un zion, comme dirait Painoxag. Ils sont dans... Genre, what the fuck. Genre, mec, ils... Enfin, regarde, c'est quoi, en fait. Genre, les designs... Enfin, what the fuck, hein, vraiment. Hein. Genre, mobile, c'est vraiment un autre délire, quoi. C'est pas le même jeu, quoi, limite. En vrai, c'est... Ouais, je sais pas. Jamais joué mobile, j'aimerais bien tester. Hein. Il est chaud, en plus. Hein. Mais sur mobile, moi, ce qui me fascine, c'est que... Enfin, je sais... En fait, je me demande si c'est pas plus simple, en fait. Parce que... Ouais, je sais pas. Il faudrait que je teste, honnêtement, sur un iPad. Le problème, c'est que faut un iPad à 10 000 euros, là, pour tester Fortnite mobile. Mais, ouais, en vrai, mec, il est chaud. Hein. Fais voir, c'est que ça rend calme quand il fait, là, pour... Ah, je sais pas. Après, j'avoue que faire de la compétition sur mobile, what the fuck, hein, genre, je comprends pas trop l'intérêt, tu vois. C'est ça lag, t'as des graphismes pas ouf, t'as pas Discord pour parler avec tes mates, t'as tellement de défauts. Après, les mecs sont peut-être pas très forts et du coup, ça te permet d'avoir du free cash prize entre guillemets. Mais donc lui, il réédite pas non plus. Mais bon, ça, je pense que la prochaine fois, ils le referont. Mais ouais, du coup, en vrai, j'ai vu qu'il y avait un autre joueur mobile. S'il y a plusieurs joueurs mobiles et plusieurs joueurs Switch. Qui la font la map tout simplement, pourquoi pas faire un petit cash prize pour eux? Ça pourrait être sympa, avoir un petit 50 euros. C'est souvent des gens qui ont 13-14 ans. Quand t'as 50 euros, on va pas se mentir, t'es content. On va pas se mentir,
Ça fait toujours plaisir, tu vois. Du coup, oui, et mec, en vrai, il fait un bon temps, là. Là, pour l'instant, il a fait 2-3 erreurs à un moment. Mais il se débrouille, hein. Il se débrouille clairement. En plus, il a mis le petit skin en rapport avec la map aquatique. Il est dans le thème, hein. Il est dans le thème. Ça, peut-être un petit peu compliqué sur mobile. Pff, pas du tout. Pas du tout, hein. En vrai, il gère, hein. En vrai, clairement, il gère de ouf, hein. En vrai, il a opti pas mal son temps et tout, hein. Cette épreuve-là, elle est assez facile, mais tu peux te boost. Bon, je vais pas vous dire toutes les techniques maintenant, En vrai, c'est une map où il y a des timings à avoir et où tu peux te boost pas mal de fois. Ok, alors là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure strat. Ah, oh, mais par contre, ça. Il y a des grandes chances que ce soit la meilleure strat, hein. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il ait tout édité, hein. Alors là, s'il arrive sur ma. Mille, il est trop fort. Ouais, en vrai, il est chaud, hein. Ouais, c'est quand même dur, hein. Ça, c'est vraiment c'est l'épreuve la plus dure de la map, hein. Je vous avoue, moi j'arrive à passer une fois, mais trop compliqué. Ok, ça c'est du basique, hein. C'est sur toutes les maps, donc je pense que ça devrait pas trop bloquer. Ok, nickel. Parce qu'il n'y a pas les dégâts tués sur la map, faut savoir. Donc là, les extend. Il est pas obligé de mettre le chapeau à chaque fois, hein, je tiens à dire. Enfin, entre guillemets, il faut un mur à droite, devant, à gauche, et un seul ou chapeau au-dessus. Donc là, basique, réédite, édite le mur de devant. Ok. Là, c'est quoi? Oui, ça, c'est réédite, réédite, édite. Et mec, en vrai, il se débrouille bien. Franchement, il a même la 1080. Et moi, je ne l'ai pas mise depuis tout à l'heure. Je suis un énorme bouffon. Ok, nickel. Bah, en vrai, pour l'instant, ce serait lui qui est le world record sur mobile, simplement. Et du coup, il a fait 6,43. En vrai, j'ai déjà lu, hein. Fais voir les commentaires un petit peu. Tu peux tellement faire mieux. Après, l'eau, c'est une nouvelle mécanique un peu. Ouais, bah, c'est ça, c'est une nouvelle mécanique un peu, l'eau. Pour viser ton run, tu mets des sols de partout et t'es obligé de rester dans l'eau. Non, en vrai. Est-ce qu'on serait pas obligé de rester dans l'eau? On verra. On verra, on avisera. On verra un petit peu les records qui se feront. En tout cas, les potes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, les gars. Go 50 000 abonnés, ça ferait juste extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous retrouve sur Twitch. Et puis voilà, n'oubliez pas, code créateur Cocteau, 10 000 soutiens, la petite Cocteau Cup 2. Et puis moi, je vous dis à très très vite. C'était Cocteau. Ciao!